Dis-moi, Karaël, ça fait un bout de temps que t'avances plus en Chine, là. Mais c'est compliqué d'avancer. Bah ça avance, hein. Ton Doucement, mais offensive. sûrement. Ton bon, ça fait un mois, là, hein, pour le coup. Oh, laisse-moi me moquer, putain. D'accord, Là, en plus, là, tu vas aller bouffer gentiment Karaël, la t'es petite nul! communiste. J'ai failli louper mon attaque sur Addis Abeba, tu sais, alors bon. Ouais. Non, la Chine communiste, ça va être dur. Ah oui, la Chine Ouais, communiste, c'est hardcore. si t'arrives à passer, après, c'est quand même 15 divisions en moins. Ouais, mais la dernière fois, j'ai réussi, mais là... Je sais pas, alors que j'étais contre des mecs qui étaient en 1910, 1920, là je me retrouve contre des mecs 1936 quoi. Ouais, c'est différent. Ça fait un peu plus mal, hein. Ça change ah, ça pique. Tout, hein. Je t'avoue que ça pique, mais ça va. Les 1 de soft attaque en plus changent tout. C'est ça. Attention, parce que je donne la boîte obique aux chinois communistes, hein. Tu peux pas tester. Enfoiré. Chouan, pourquoi fais-tu ça? D'ailleurs, j'ai jamais joué avec la Chine communiste, la faire gagner, et genre en 46-47, est-ce qu'elle a des bonnes équipes de tech au niveau nucléaire et tout Est-ce que c'est viable en ultra late game? Parce que le chinois nationaliste, pour l'avoir testé, le presser comme un citron, il est plus viable en 46-47. Bah, les équipes de tech, elles suivent pas, quoi. Faut vraiment. Ah, c'est ça. T'es en équipe de tech 2-3, t'as rien en réacteur, rien en nucléaire, t'es tellement baisé, quoi. Même avec les blueprints, ça va tellement lentement. Putain, c'est dégueulasse. Bah, t'as la masse, mais c'est tout. Ah, ouais, c'est ça. Ah, tiens, ça c'est sympa, j'ai réussi à conserver de mes purges quelques bons commandants aériens. À vrai dire, les Ricains, ils avaient pas beaucoup d'îles dans le Pacifique. Ça me fait quand même chier de choper des trucs du russe. Hein. Je suis content, tu vois, je me dis, ah nice, mais bon, être basé sur des modèles russes quand t'es anglais, bon, t'es pas très fier. Hein. Oh, tu le dis pas à tes gens. Des Cromwell 85. Mais c'est bizarre, pourquoi ils ressemblent au char russe? Oh, Vogel. On a fait un peu de rétro-engineering, hein, avec des modèles capturés en Espagne. D'ailleurs, l'espagnol, il va se bouger le derche un peu, là. Oh, bah attendez, on va profiter du ravitaillement italien encore un peu plus longtemps. Profitons du soleil. On peut manger, enfin. Le Japon met en pause. Attention, un grand mouvement est-il prévu? Un débarquement, peut-être, sur les côtes. Depuis Taïwan. Oh, putain. Formose, pardon, c'est pas Taïwan. Pour aller faire le massacre de Nanjing, qui fait de la descente aux Chinois. La oh mon dieu, mais quelle grande victoire, je suis en train de couler les 3 CL chinois. Non mais en la fait... La poche arrive. Elle va se faire. Il y a Baudi, combien de divisions? Elle va se faire dans quelques jours. 8, c'est toujours ça. Quand tu sais qu'il y en a 40 ans. Qui sont en train d'arriver derrière. Bah ouais. je sais qu'il y en a 40 à Qingdao. Voilà. Que du 36, hein, basé sur du modèle soviétique. Qingdao, c'est simple, ta femme la poche en coupant les vivres, hein. C'est pas dur. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est exactement ce que je vais faire. Comme disait Charles de Gaulle, je n'aime pas les socialistes car ils ne font pas de socialisme. Bien sûr. Parce que ça marche pas peut-être aussi. Bah, il suffit de voir Manuel, hein. Manuel. Le pacte anti-comintern. On peut se faire un petit pacte de non-agression, Youngstar, je crois, en moment. Mais il suit automatiquement. On va le faire de toute façon, le pacte de non-agression, ouais, puisqu'il ouais. va y avoir là, une bataille que je en vais 39, remporter. En 39, vous allez avoir la bataille de Kalkingol ouais. qui va vous... Ouais, c'est ça, ouais. À moins que le Japon rentre en guerre contre l'Union. Oh bah oui. Ah oui, évidemment. Youngstar, je te défie. Alors que le mec est encore embourbé en Chine. Ah bien, je me retourne. Victorieuse. Alors que j'ai pas une div hein, sur la frontière. T'inquiète pas, ça je le sais, j'ai la vision. Si Steven, bah, j'ai la vision aussi. Si Steven t'arrivait en 41, ça peut être intéressant, ouais. N'empêche. Hein. Surtout que le pacte de non-agression se casse pile en 41, tu vois. Genre vers mi-41. C'est les... la bataille de Kalkingom numéro 2. C'est pour ça que les Allemands ont aussi gardé près de 70 fraîches face au Japon, hein, parce que l'armée du Kwantung, elle était quand même pas à prendre à la légère, hein, même en 41. Ouais, enfin, bon, C'était la meilleure armée japonaise, mais après, à partir de 42, ils ont commencé à lui enlever tous ses éléments, genre tous ses meilleurs éléments, pour les envoyer dans le Pacifique. Ce qui fait que quand les Russes arrivent en 45, bah y a plus rien. C'est de la merde. L'armée du Kwantung s'est quand même pris une grosse branlée à Kalingol parce qu'ils avaient pas assez de tanks, pas assez d'artillerie, ils avaient que le ouais, que ils ont appris leur leçon. Ils ont appris leur leçon, hein. Ils ont commencé à développer, ils ont commencé à mettre sur pied leur brigade blindée, mais ils ont envoyé toutes ces merdes dans le Pacifique, servir de bunker roulant. Le russe, on s'est pris une Smerkampagne du Tchécoslovaque. C'est pas grave, Scorpion le détruira pour moi, donc au final. C'est vrai que le Tchécoslovaque, il va pas avoir beaucoup de chance. Non mais attends, le Tchécoslovaque, depuis le début, il claque sa bite contre l'Allemagne, l'Italie et l'Union Soviétique. Mais nous allons nous allier contre lui. Youn, soyons amis contre la Tchécoslovaquie. Voilà, c'est la Tchécoslovaquie, le vrai ennemi. Ce n'est pas l'Ogre Rouge, Youn-Sar, je suis ton ami. L'Ogre Rouge. Tout simplement parce que c'est grand et qu'il y a beaucoup de morts. Je vais lui filer les plans ASW aux Roumains. Le Roumain, il va regarder ça, il va dire c'est quoi. Je sais, je l'ai bien filé aux Mongols, hein, l'ASW. Hein. Lui, il a pas dit. Il sait même pas ce qu'est l'eau, alors bon. Sous le fleuve Amour, tu sais.
En plus, il a même pas accès au fleuve Amour. On va peut-être donner des plans aux Chinois. Non. Ah non, il est déjà trop vide en fait. Je ne permettrai pas. L'anus de Karai ressemble à celui de Chouan après une soirée au bar gay près de son bar. Bon bah là, pour l'instant, moi ça va. Ah, il a pris Jinan, GG. C'est déjà un point. Faut le tenir maintenant. Bon, et puis je suis en train de tout bupper là en ce qui concerne l'artillerie, ça va être bon ça. Comme dirait Jésus, ça va chier. Ah, Justin, tu m'as fait marrer avec ta merde là sur des inconnus. Oh bah faut bien hein. Tu nous avais pas dit que la poche serait fermée le 8 novembre. Eh bah malheureusement j'ai eu un petit souci. C'est heure japonaise donc c'est un peu plus tard les gars, comprenez-le. Et il me semblait que Karal était en avance sur son temps. Normalement ça devrait compenser. Et surtout que je continue à filer le soviet. Je continue à filer le chinois hein. D'ailleurs, Pépé... Oui, non, mais je sais, hein. Voilà, tiens, tais-toi. D'ailleurs, Pépé, t'es content de toujours donner 20 supplies? Ouais, ça commence à me faire chier, là. Il veut pas finir sa guerre, l'enculé. Ah non, mais il pète les couilles, parce que... Putain, c'est quand même pas mal de Pépé que je pourrais mettre dans les upgrades. En gros, Pépé, il arrive dans les montagnes, au sud de l'Espagne, bon... Il a de la milice, ce bâtard, ça devrait aller vite, quoi. Kara, il a liquidé la poche. Ouais, 15 divisions. GG. La seconde, c'est Qindao. Non, la seconde, c'est Zhao Zhuang. Il y a 45 divisions là-dedans. J'ai fini mon premier corps motorisé. 3 divisions moto. Bon, allez, c'est parti pour chier des HQ. Hein. Par contre, la contrepartie, c'est que je reste en division d'infanterie 26. Bon, ça fait un peu chier, mais... Ça va. Pour la campagne de France, l'important, c'est la mobilité. Hein. L'infanterie, je m'en bats un peu les couilles. Je vais passer mon temps à faire du redéploiement stratégique. Oh. Mais on perd Jinan aussi. J'ai bien André que tu l'avais pas remarqué. Ah merde. C'est gênant. Les blagues de Chouan, si dans les 3 premières secondes je les comprends pas, je cherche plus à comprendre en fait. Ah parce qu'en fait. Comme c'est très con. C'est trop raffiné. Voilà, 3 secondes, c'est pas assez. C'est trop raffiné pour moi en fait, tout simplement. L'humour bourguignon est hors norme. Ah mais c'est bientôt l'Anschluss. Écoutez, hop là, nique ta mère. T'es arrivé en janvier, c'est génial. Quel bâtard. Ouh, 3 secondes de PP. Ouh, ça. Ouf. Ah, bah, j'ai pas trop mal optimisé mon truc. Ouais. Oui. Ouais, quand même. Avec la Viper, on a travaillé nos gammes. Putain, ça fait chier quoi, j'ai plus d'aviateur. Putain, le Yougoslave qui arrive à retarder des PP en mettant des bombes. J'ai honte, hein, le français m'envoie des techs. Pourtant, c'est un pays du. Du tiers-monde. Attends, tu vois, est-ce que moi je peux t'envoyer des techs? Attends, tiens, tu veux avoir la haine? Je peux t'envoyer 3 techs, il était moi je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 techs. Je peux t'envoyer 8 techs. Mais c'est compliqué, les techs, quand t'es... Et Yun, je peux lui en envoyer que 3, d'accord? Tu comprends même le désir? Même Karai, je peux pas lui envoyer de techs. Bon, normalement, là, l'AI devrait être capable de gagner. L'AI japonaise. Putain, Karai, elle se fail encore, quoi. Ah bah, là, ouais. elle va pouvoir... À chaque game, je m'anticipe. Ouais, c'est bon et tout, je suis trop balèze. Ouais, tu parles. Ouais. Et ça faisait que quelques mois, les gars. Là, vous êtes mi-10 ans. Il y a juste qu'il a pas de tac, et ça, t'attaques pas la chine quand t'as un tac. T'attaques pas, lol. Donc, comme je disais, le racisme c'est comme les noirs, ça ne devrait pas exister. C'est cette facilité, c'est beau. On avait dit pas en public, Chou. Hein. Je vais faire bobo. C'est le japonais qui reprend les choses en main. C'est ça. Ouais, il relâche. Après, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire cette espèce de crotte dans le désert qui a... Oh, ça te file 2-3 divisions, c'est toujours bon à prendre. Et de la cavalerie, monsieur, pour courir dans les plaines désertiques. Voilà. Werner von Fritscht. On m'a donné un énorme Larousse de 1926 sur les cultures et les peuples et tout ça. Ouais, 1926, je me rappelle, j'avais lu un truc de cette époque. Alors, les Noirs c'était un peu biaisé comme... Ah oui, c'est pour ça qu'il a l'air marrant. On va me traiter de raciste, tu sais. Quoi ma grand-mère m'avait filé des bouquins sur la Première Guerre mondiale, qui sont vraiment des très beaux livres, tu vois. Et en fait, quand je lis ça avec un peu de recul, je me dis, c'est vraiment de la propagande française. Ou alors, tu sais, alors nous avons gagné une première bataille, mais bon, on s'est quand même fait rouler dessus. On a gagné une deuxième bataille, mais on s'est quand même fait rouler dessus. Au final, on est devant Paris en train de défendre en 1915. C'est ça. Et les mecs ont pas perdu une seule bataille, tu sais. Tu te dis, mais attendez, les gars, là. Il faut pas le pourrir, quoi. Faut... Nos troupes font un repli victorieux. Par contre, les Anglais ils pouvaient pas dire qu'ils perdaient aucune bataille lors de la Seconde Guerre. Hein. Ah ouais. Bon, ils sont fait rosser. Dunkerque. Ouais, enfin Dunkerque c'est pas une bataille. Dunkerque est un des seuls succès de la bataille de France. Parce qu'ils ont quand même réussi à sauver près de 5 000 hommes, ce qui est absolument énorme. Il y a un film dessus américain.
Ouais, ils sont en train d'en faire un. Ouais, bon. Oui. Non, mais les ricains, eux, ils font tout histoire de glorifier. Serait... Non, mais les ricains, ils seraient capables de pas mettre de soldats français, tu vois, à Dunkerque, comme ça. Comme Battlefield 1, ah bon, les soldats français, vous devrez aller acheter le DLC. Oh, ça, c'est le pire. C'est ça. Et la Russie, comment ça, elle a participé à la Première Guerre mondiale? La Russie, mais ce n'a jamais existé, voyons donc. Nourrissez-moi de plans, hein. Surtout la bombe atomique, hein, je crois. La bombe atomique soviétique. N'est-ce pas? Ne leur donne pas! Chouan, cette bombe atomique se retrouvera sur Washington dans quelques années. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Écoute, j'ai toute confiance dans mon allié soviétique. Je veux dire, ce statut a l'air tout à fait sain d'esprit. Ah, merci, de confiance. L'offensive japonaise en Chine. Ouais, des purges. Non, j'avais entendu parler. Sachant que ça va être l'homme de l'année dans pas longtemps. Ouais. Autant... Les Tchécoslovaques m'ont volé un plan qui va leur être très utile, c'est les croiseurs légers. Carré, il va reprendre son pays. Comment ça, j'ai 550 divisions? C'est vrai que, ouais, du coup, il va être buffé, en fait. Ouais, c'est ça. Je vais me faire éclater. Ces noirs font la grève. Non, parce que justement, je mets les divisions de cavalerie et d'infanterie à Détroit, à Cleveland. Ils se sont pas révoltés, là, tu vois, bizarrement. Tu vas pas oublier que je suis démocrate, à l'époque, les démocrates, ils étaient pour l'apartheid. Ils poussent, hein, le japonais, là. Oh, putain! C'est con que la Chine communiste, elle soit alliée aux Chinois, parce que je pourrais l'inviter dans mon alliance. La grande guerre patriotique contre le Japon. Ouais, mais justement, en fait, c'est un truc qui permet, grosso modo, aux Russes, si tu t'allies à la Chine communiste, tu retournes toutes tes divisions, tu envahis le Mandchou, tu dégages le japonais du continent, et tu sauves la Chine. La guerre d'Espagne est presque terminée, d'ailleurs. Oui, enfin! Heureusement, quoi. Putain, le temps que ça prend, cette saleté. Marlène Dietrich, Bicom. Oh, salope, voilà, plus un 17, la pute, casse-toi. je te retrouverai. Pourtant, qu'est-ce qu'elle était bonne. Elle a baisé Kennedy père et Kennedy fils, hein. Elle a, elle a mangé à tous les râteliers, elle, hein. Elle a avalé des kilomètres de bite aussi, hein. Oh là là, mais quelle médisance. Oh, elle était bonne, attends, tu craches pas sur Marlène Dietrich, quoi. Oh, la percée continue, là, en Chine. Ah ouais, aïe, aïe. Ah, par contre, ils m'aiment bien, les Polacs, mais c'est gentil. Alors, ça. Petite pause, maintenant le peuple, il se tait, hein. Voilà. Maintenant, les purges, c'est fini, elles ont été oubliées, je les ai nourries au sein, maintenant ils ferment leur gueule. Nourries au sein par une star. Si c'est Zeppelin qui dit ça, c'est tout de suite plus attractif. Putain, mais il est à côté de Nanjing, quoi. Ouais. Oh, mais là, le japonais, il roule à vitesse. Le chinois, ça s'effondre, quoi. Tout a libéré l'Italian Est Africa. Ah, mais d'accord, CPP s'était effondré parce qu'à mon avis, il n'y a plus assez de ressources, je l'ai perdu. J'ai perfidé. Ah ah, je te perfide, tu as été vilain. Putain, mais j'ai qu'un seul tacticien supérieur dans mon armée de l'air. Incroyable. je les ai tous tués. Non, c'est juste que t'as un pays de singe, Yuna. Non, okay. Ça va, et franchement, le soviétique, il y a pire que lui, hein. Ah oui, il y a le chinois. Non, le chinois, c'est une catastrophe. Je l'ai mangé, le chinois, avec des équipes de tech 2 et 3 en 47. Oh putain, tu vomis, quoi. Qu'est-ce qu'il me propose, espagnol? Mais t'as gagné ta guerre, pourquoi tu... Putain, mais va attaquer. Va attaquer. Il arrive pas, ça attaque à Séville. Oh, l'exposition de l'art dégénéré. Merci, Goebbels. Quel tous ces artistes malades. Ah là, qu'il faut envoyer à la mort. Yoon, si tu veux des artistes dans tes goulags... Hein, ah non, mais ils y sont déjà, hein, crois-moi. Je n'ai pas attendu tes conseils. On se rappellera tous du fail de Karail en Chine, un de plus. Adieu les jeux. Ah, Karail a fait véritablement une remontée fantastique. Oh, Karail, les skills. Oh mon dieu. Yoon, il faudrait que tu coupes quelques moments où Karail parle, la session dernière. Pour faire croire qu'il est là. Regardez les gars. Ça avance bien, hein. Ouais, bonjour les amis. Une voix à la Valek. Du coup, vu que l'IA japonaise, c'est une IA, on peut faire de passer des premières campagnes dessus. Oui, tu peux, mais bon, au final, si tu veux perdre ton fric. J'avais des alliés dans ce qu'on appelle l'Europe de l'Est. Ah, des gueux, tu fais. Contre-attaque chinoise. Tu fais des alliances avec ces singes. Bah écoute, Yoon, ces singes, ça va être des divisions contre toi. Ouais, des voleurs de poules que je vais me faire un plaisir d'étriper. Bah écoute, oui. Je vais tous les envoyer au goulag une fois qu'ils seront capturés. Quand les voleurs de poules vont avoir 3 divisions de Panzer avec eux, bah... Eh bah j'enverrai les Panzer aussi dans les goulags. Tu vois un tigre en train de tirer des arbres en Sibérie. Tout ce qui ne sait pas parler russe, c'est au goulag.
Ouais, c'est un peu raciste, Yum, je trouve. Oh là là, putain, tout simplement parce que j'aime pas les scorpions. Il répète qu'il a entendu au collège. Et oui. Bêtement. Raciste. Raciste. Tu es raciste et fasciste, souvent. On m'a dit que les gens comme toi étaient méchants. Ah, je suis très méchant. Et qui voulait faire bobo. Qui voulait faire pom-pom boum boum avec maman. Oh, oh, t'es dégueulasse. Avec Manuel. Ah, oh, c'est encore pire. Et le coiffeur à 10 000 euros de Hollande. Oh, là, là. 10 000 euros, c'est horrible. Mais puisqu'on vous dit qu'il est disponible 24 heures sur 24, ah bah moi aussi, hein. Putain, moi, ah, pour ce prix-là, je me suce la bite quand même. Ah bah putain, 10 000 euros par jour, je te fais la totale, hein. Un petit happy ending, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis bon pour toi, je serai disponible 24 heures sur 24 pour subvenir à tes moindres besoins. On parle bien de coupe de cheveux, bien sûr. Hein. Ah oui, exactement. Hein. Il n'y a pas des cheveux que sur la tête. Hein. Si on veut se faire une petite couleur, on va enfin ça y est. Ah. Tout le monde l'a sauf. Oh, pas mal le plan que je viens de gagner. Alors excusez-moi, voilà, hop, voilà. Wargames, c'est pas tout le monde, hein, Wargames. Hein. Voilà. Et plus 20 manpower. Je suis contre. Allez, deux techs et une nouvelle division motorisée. Allez, for war. Mais non, mais arrête. Sudet Lord. Faut arrêter de croire que je suis méchant. Moi, j'en ai marre. Tu sointes la haine. Tu sointes la haine. Putain, vous êtes vraiment, vraiment des nazis méchants. Des méchants racistes. Des nazis méchants, alors que c'est lui le nazi, quoi. Islamo-fasciste. Des islamo-fascistes. Féminazis, islamo-fascistes, extrême gauche. En ce moment, on s'égale avec les termes, hein. Ouais, j'ai une équipe de tech qui vient de popper. Il a perdu la moitié de ses pp déjà, le chinois, tu sais. Je vais en baver, moi, quand il va... Ah, ça y est, mon supply, là, ça fait plaisir. Je gagne 4 pp, hein. Oh, t'as bouffé l'Egypte. Alors là, c'est pas beau, hein. Communauté internationale, je suis sûr, elle va pas fermer les yeux. Envoie-moi des Égyptiens, je les mettrai de profil dans les goulags. Oh, ouais. Oh là là, ça c'était excessivement mauvais. Goulag. Ah, je viens de comprendre, allez, de profil, moi aussi. Moi qui aime bien l'art moderne... Voilà, tout à... en plus tout à l'heure, Scorpio parlait d'art je sais pas quoi, donc s'il m'a envoyé quelques artistes, hein, on va... Ah oui, mais je t'ai envoyé les dégénérés d'Allemagne. Ah bah c'est parfait, bah très bien, on va les mettre en artistes, ils vont disséquer de l'égyptien, les foutre dans des murs de profil, et ça sera très joli. Oh bah hey, t'en fais du ciment, hein. Oui, oui, oh, voilà. Oh, Karail, pourquoi est-ce que tu es absent? Le chinois fait des poches. Le chinois fait des poches. Bon. Ah oui. La poche de Nanjiang. Incroyable. Est-ce qu'elle est sous attaque? De Charbonne à Valbaise. Oui, il y a 40 divisions dessus. Alors, quand est-ce que je détruis la Tchécoslovaquie? Cette nation n'a qu'à ses durées. Oui, ça j'avoue, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, elle t'a envoyé une petite campagne de diffamation à toi, c'est oui, ça? Oui, et puis elle m'a volé quand même le croiseur léger, bon. Ah oui, c'est vrai. Ça, la marine impériale soviétique ne laissera pas passer ça, hein. Surtout que, bon... imagine la marine impériale tchèque... qui a des CL de classe... Classe boomerang. Attends, le tchécoslovaque, attends, pour qui il se prend, lui, a essayé de claquer sa bite? Pour t'annoncer que le gouvernement, c'est des singes, et puis qu'il y a de la misère dans le monde, c'est vrai que... Tu parles, au final, tu peux l'avoir, tu vas sur 20minutes.com, ou je sais pas quoi. Voilà, t'en manges, voilà, tu vois. T'as les dernières... t'as la dernière masturbation de Manuel Valls en direct, hein. Oh, 49-3. 49-3, oui! Je les ai bien enculés, ces fils de pute! Le français m'a donné Super Heavy Battleship. Ah bah c'est bien! Waouh! Putain, mais hey, le chinois il se défend quand même, hein! Qu'est-ce qu'il peut? Mais c'est fini, hein! Moi là. Ah, cette avancée, Caragle, c'est magnifique! Caragle, merci! La vieille quoi déjà! Putain, le finlandais qui essaie de me passer une smear campaign, enculé! Je suis sûr que Caragle a fait exprès, tu vois. C'est ça, il s'est dit. Tu l'as gagné. Oh non, j'ai encore échoué. Pépé va me crier dessus. J'espère qu'il te... Mais en solo, ça fait toujours bien. Ah, si, merci. La Thaï State. L'État qui n'a servi à rien durant son histoire, tu sais. C'est clair. Bah, comme Manuel Valls et Hollande, hein, l'État qui n'a rien servi. C'est clair. Bah si, ils ont... Il y a le coiffeur le plus riche de France. Bah faut dire qu'il y a tellement peu de cheveux sur le caillou de ces messieurs que bon... Qu'est-ce que tu veux coiffer Hollande et l'autre débile Voilà, comme dirait Yves Montand dans La Folie des Grandeurs, il n'y a pas assez de cheveux non plus. Hein. Oh. Non, construis des centrales nucléaires que tu m'amèneras en carton, qu'on pourra monter en Sibérie. Ah oui, mais le carton c'est suffisant pour se protéger des radiations. Hein. Bien sûr. Regarde, mes noirs ils sont pas changés, tu vois.
Ah non, bah... Bon, par contre, tes porteurs nègres seront ensuite envoyés au goulag où ils seront rééduqués et lavés pour retirer la crasse. Ils seront décolorés à l'eau oxygénée, tu sais. C'est ça. Il met des coups de karcher à l'eau oxygénée. Ah bah écoute, là, qu'est-ce que tu as... Mais par contre, en fait, ce qui est bizarre, c'est que la peau se décompose et se retire, mais en fait, bah, ça se refait pas après, parce que le mec, il meurt. Donc on comprend pas, là, on essaye de tester différentes concentrations pour la noyade la plus atroce. Et c'est pas mal, parce que pour tes centrales à charbon, ça fait toujours du combustible, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai.